Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia The Strongest Hero. Et là, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer un peu ma box après le remboursement. En soi, il n'y a pas un grand changement. Et en même temps, on va pouvoir faire un petit bilan sur le jeu. Ce qui s'est passé depuis le remboursement. Ce qui pourrait se passer par la suite. Et j'espère que le jeu prendra une belle tournure d'ici la prochaine mise à jour ou d'ici le patch de la langue française. Enfin, l'ajout de la langue française. Du coup, on va directement basculer. Avant toute chose, vous voyez que je n'avance pas trop dans le jeu. En fait, je prends vraiment mon temps. Et en plus, j'ai pas envie de fumer le jeu et d'arrêter le jeu au bout d'un mois ou deux ou de trois. Je préfère bien prendre mon temps et me dire au moins si au cas où s'il ferme, j'irai pas jusqu'au tryhard. Enfin, on va dire en soi, je tryhard, vu que je me connecte tous les jours et tout. Mais en dehors de ça, je passe pas mon temps sur le jeu ou quoi. Je préfère être régulier, jouer une, deux, voire 3 heures par jour que enchaîner 6, 7 heures. Fumer ma stamina, fumer mes pièces d'or pour vous montrer, waouh, j'ai un compte full 120, full level 120, bon. Comprenez? Du coup, on démarre de suite avec la petite Oshaku niveau 90, qui d'ailleurs va bientôt passer triple S. On va aller voir ça de suite. On est quoi? On est à 6 sur 20, du coup je pense si je stack un peu pendant on va dire un bon petit mois, j'aurai de quoi faire 5-6 multi. Je pense pouvoir drop un ou deux doublons, ça va me permettre moi de la monter petit à petit jusqu'au rang triple S. On va passer maintenant à ce fameux All Might. Ah non, j'ai oublié. Faut aussi que je vous montre comment je l'ai équipé. Les chips et tout. Bon, vu que en ce moment je suis un peu en manque d'argent, en manque de ressources pour améliorer mes personnages, vu que j'ai drop récemment, comment il s'appelle, le fameux Aizawa, j'ai pas trop le choix de me focaliser sur ça. Mais en dehors de ça, j'ai quasiment tout ce qu'il faut sur elle. Il faut juste que je change ça. Les statistiques, ouais, c'est pas mal, c'est correct. Pas mal aussi, crit, attaque, HP. Là, j'ai pas trop monté parce que je m'étais focalisé sur All Might et Endeavor et Aizawa et Fumikage et Bakugo parce que Bakugo, je vais vous montrer après, je l'ai réussi à monter SS. Concernant les talents, enfin, concernant l'affinité, je l'ai monté niveau 2. Le reste, les cartes, bon, c'est pas grand chose, mais ça va, c'est pas mauvais non plus. Maintenant, on va passer à All Might. All Might, je l'ai passé niveau 100, lui, par contre, c'est quand même assez important dans l'ensemble. Là, je l'ai maxé. Bon, là, il est bien maxé. Là, j'ai sa carte, j'ai full équipement 5 étoiles, j'en ai une 6 étoiles, celle de Efo. Et faux qui me permet de gagner 65% pour l'ulti, enfin d'aller jusqu'à 60% de l'ulti, la recharge. Après le reste, vous le connaissez déjà, la plupart d'entre vous les ont. Les ships, alors les ships, là je suis bien, faut juste que je continue à up. Bon, faut que je farm également, mais vu que j'ai besoin aussi de ressources. D'argent pour farm, un peu tendu. Lui c'est bien. Bientôt SS, il va bientôt pouvoir passer SS. J'essaie de le drop. Il est un peu dur, mais j'essaie petit à petit de le drop. Niveau 90, je crois que sur les ships, voilà, là faut que je fasse un petit changement, ça serait cool. Twitch. Ok. On va garder ça. On va garder ça. On va garder ça. Le reste, support carte.
J'ai sa petite carte et tout. Par contre, j'ai pas de seconde carte ici. Mais ça va. C'est bien, c'est cool. Il est bien monté lui aussi. Bon, lui en vrai, je crois que je l'ai un peu fumé dans les talents. Parce qu'il le fallait. Parce que je le trouve intéressant. Certains modes de jeu. Et je le trouve marrant. Surtout, je le trouve marrant. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Je crois que pour les cartes. Pour les chips. Je suis pas trop mal, même s'ils sont que niveau 1, je suis pas trop mal. Concernant les ressources pour break limit et tout, on verra ça par la suite. Alors lui, j'ai réussi à le monter et 16, je suis assez fier de moi, j'ai réussi à le drop. En plus j'ai drop sur des singles et en plus sur les tickets qu'on drop dans le mode histoire. Pas mal, c'est cool. Les cartes. Alors là. Je suis plutôt assez content dans l'ensemble. Full 5 étoiles, j'ai drop deux fois. J'en ai une sur All Might et une sur lui. Les talents, je suis en train de le monter vu que maintenant je peux le monter à fond. Je me focalise également sur lui, mais bon, ça demande du temps. Elle, avec les dernières invocations, j'ai réussi à la monter double S. Bon, il n'y a pas grand-chose, je ne l'ai pas monté à fond non plus. Je m'arrête toujours à la première barre, comme ça équilibre bien les. Ça équilibre bien tous les arbres de talent de tous mes persos. Voilà, bon, là, en vrai, en soi, c'est vrai que j'ai pas trop monté ici. Mais, vu que j'ai monté récemment en SS, je pense que je vais monter ici. Bon, lui, j'ai monté également SS, si j'ai pas de bêtises. Ouais, j'ai monté SS. En vrai, ça va dans l'ensemble. J'ai une bonne petite box. Après, j'ai le fameux Endeavor. D'ailleurs, on va monter ça. Le fameux Endeavor. Faudrait que je le monte aussi, lui aussi. J'ai énormément de persos à monter. Mais voilà. Lui, j'ai drop récemment. Mais avec tout ce que je dois up, c'est vraiment tendu. J'ai pas assez de ressources. J'ai pas assez de stamina pour à chaque fois. Augmenter tous mes persos, du coup je les équilibre, je les mets tous au niveau 80, 90, 100. Et après petit à petit je vais continuer l'histoire et tout pour monter tout ça. Après le reste, vous le savez vous-même, S ici. Que se passe-t-il? Je peux le monter? Bon. Pour une pièce. Pas fameux, pas fameux. On va passer à qui? De toute façon, je crois qu'il manque plus que lui. En soi, j'ai une belle box, hein. On va pas se le mentir. On va pas se le mentir. Lui, j'arrive pas à le monter. J'arrive pas à dropper des doublons. Je pense que le perso où j'ai réussi à avoir le plus de doublons, concrètement, je crois que c'est Ochako et Tsuyu. Et Bakugo également. Bakugo, j'ai été vraiment très chanceux sur lui. Je vous ai pas montré les cartes de tous les persos parce que. Parce que j'ai pas réussi à dropper leurs cartes, tout simplement. Et les chips, a priori, ils sont tous entre 5 et 6 étoiles. Après la suite, dans les guerres, j'ai pas trop de chance. Je vous avoue que je suis pas très chanceux concernant les équipements. Je sais, je fais tous les jours, mais je dors pas. Bah après, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vends, je revends, j'améliore. Bon, ça c'est correct, c'est cool. Mon niveau de compte là, je crois que. Ouais, je suis niveau 54, c'est cool, c'est pas mal. On va récupérer ça. Et voilà, dans l'ensemble, c'est cool. Mon avis, pour le moment, c'est. On va pas dire c'est négatif, on va dire c'est du 50-50, comme vous le savez. J'attends juste qu'il. J'attends juste cette fameuse mise à jour de la langue française, qui corrige quelques bugs, qu'ils améliorent la connexion, parce que là, en dehors de ça, on est à 35 ms. Quand on se promène dans la ville, on est à 35, mais quand on est dans le PVP, dans le mode coopératif, vous savez vous-même, on est aux alentours entre 120, on peut monter jusqu'à 300. C'est un peu abusé, c'est un peu abusé. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis assez fier. Je drop quasiment tous les persos, il m'en manque plus que deux, du coup, Toto et Momo. Et sinon, dehors de ça va, tranquille, c'est bénef. Le caractère recrute
Ben voilà, vous savez maintenant à quoi. Quoi bon vous attendre avec ce jeu. Faut calmer juste un peu votre carte bancaire pour la suite. Et faudra aussi à ralentir ce temps de jeu pour pas être trop dégoûté et pour vous dire pourquoi je me suis arrêté ici, pourquoi je me suis arrêté là, et voilà. Nous, dans l'ensemble, continuer à jouer, faut pas abandonner le jeu. Pour donner la chance aux développeurs et à Sony de se rattraper sur ça. On est juste à un mois et demi depuis le lancement du jeu. On peut leur donner leur chance. On verra au bout de 3 mois, 4 mois ce qui va se passer. Si d'ici septembre, il n'y a toujours rien, on va aller leur donner une dernière chance jusqu'à janvier prochain et on verra ce que ça va donner. Même si on sait qu'il y en a beaucoup qui vont abandonner le jeu et que le jeu commence vraiment à être déserté par la plupart des joueurs, on va dire, enfin par la plupart, c'est un peu abusé, mais je dirais un peu moins de la moitié des joueurs ont déjà abandonné le jeu du fait qu'il est très dur de farm les pièces d'héros quand on atteint le niveau maximum, quand on a atteint le niveau 60 et que on a fait tous les chapitres, il n'y a quasiment plus rien à faire derrière, excepté les événements. Et que par la suite, pour farm, on a quoi? On gagne pas plus de 1000 par semaine. C'est même pas une multi. C'est même pas la moitié d'une multi. On gagne pas beaucoup. Et c'est dommage. Voilà, c'est juste le petit bilan. J'espère qu'ils vont améliorer le taux de drop, qu'ils vont rajouter les personnages pour satisfaire les joueurs et tout. Et du coup, voilà. Je vous dis ciao, à la prochaine, prenez bien soin de vous et on se retrouve ce soir pour une vidéo sur Marvel. J'ai bégayé sur Marvel Future Evolution. Lâchez les petits pouces et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir. Peace et ciao.